Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Yacine. Salut, j'espère aussi que vous allez bien. Et aussi avec Issa et avec Nassim qui filme. Gros merci à eux. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale, on va comparer des crampons à 230€ et une autre paire de crampons à 30€. À 30€. Donc sur le site, on va commencer par celle-là. C'est le site Espace des Marques qui nous a contactés. Grand merci à eux. C'est Julien aussi qui nous a envoyé les crampons. Donc le logo sera juste en dessous. Donc les crampons, c'est ceux-là. Hop. Donc ces crampons-là sont censés être à 70€, mais sur le site vous pouvez les trouver à 30€, c'est des vrais authentiques. Donc elles sont comme ça, sur le côté tac. C'est les crampons de qui tu m'avais dit? Javi Alonso, à l'ancienne. Hop, ah hop. Ouais, c'est pas celle de Cross, non? Non, Cross, et derrière, regardez, c'est spécial synthétique et spécial terrain dur. Donc ouais, filme y a le synthé. Regarde, filme le synthé, c'est pour les terrains comme ça en fait. Le lien de ces crampons sera en description, n'hésitez pas à aller voir. Donc on a la deuxième paire de crampons, celle-là elle est vraiment lourde, c'est les Ace Prime Nick 16.1. Donc elle est comme ça, c'est aussi fait pour les synthétiques et les terrains durs. Je précise que les deux paires de crampons sont des authentiques. Celle-là, elle coûte 230€, mais sur le site, vous allez pouvoir les trouver à 130€. Donc ce qu'on va faire, c'est que Issa, déjà tu vas nous dire, est-ce que tu les trouves belles ceux-là ou tu préfères ceux-là? Niveau d'esthétique. Esthétique, je préfère les vertes. Les vertes et ceux-là. Mais je pense vraiment qu'au niveau du jeu, vous avez préféré les vertes. Ok, bah il préfère les vertes, ça toi. Moi je préfère les vertes. Tu préfères les vertes, toi? Moi, les vertes. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue, c'est ça là. Ouais, ça, on va tester sur le terrain. Ça m'intrigue. Donc, moi je préfère les vertes, mais j'aime bien aussi ceux-là, elles sont vraiment très belles avec le petit Nike rose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuir, feuille, ciseaux. Non, en fait, les Nike ils sont mieux. Les Adidas, c'est noir. Il y a deux paires Adidas, mais vous parlez de Nike. J'ai du Nike, je suis vraiment. Avec le Adidas rose, je suis vraiment désolé. Donc, on va faire cuir, feuille, ciseaux. Celui qui gagne décide quel crampon il met pour tester. C'est bien fait comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Comme ça. 1, 2, 3. Non, regarde, vas-y. Faut pas taper. Ok. Mais c'est toi qui te fais comme ça, ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Yes, ça, je prends cela. Ah, en plus, regarde, je sais pas si c'est le hasard. Vert, ça va avec son maillot. Noir, ça va avec mon chapeau. J'avais oublié de vous dire que dans la boîte, il y a ça aussi. Donc vous pouvez ranger les crampons dedans. C'est super stylé. Donc on va les mettre et on se retrouve pour le test. Donc voilà famille, on a essayé les crampons, tu peux filmer à quoi ça ressemble. Donc moi, elles sont rentrées vraiment toutes seules. Elles sont comme ça, hop, comme je vous ai dit. Yacine, qu'est-ce que t'en penses? Tu les as rentrées facilement? Bon, ouais, je les avais pas. Contrairement aux Nike, les Adidas c'est fait pour les gros pieds, ça se voit. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les chaussures au niveau de ce qui vous intéresse. Vitesse, frappe, précision, technique. C'est parti. Donc pour ma part, on va commencer par tester la vitesse. Je vous ai préparé un petit parcours. Donc le parcours Yacine, tu l'expliques et moi je le fais. Donc on va tout simplement tester les chargements d'appui. Donc c'est parti, il va commencer par faire appui ici. Vous voyez, à chaque flow, il change d'appui. Là on fait un petit but. Pour ma part, les crampons sont vraiment très confortables. C'est léger, donc on peut mettre de la vitesse dans les changements d'appui et accélérer quand il faut accélérer. Moi je vous dis la vérité, ça accroche vraiment bien au sol, mais c'est pas la paire la plus légère que j'ai pu tester, donc du coup on perd un petit peu en vitesse, on va dire. On va donc finir avec la vitesse, on va travailler la vivacité et les réflexes au niveau des passes. Donc on va vous présenter l'exercice tout de suite. Donc le parcours, il va le présenter en faisant un aller simple et je vous dirai en quoi consiste l'exercice. Vas-y. Donc quand il y a deux plots comme ça, on sautille, là on fait un petit U, on sautille, voilà. Donc ça c'est l'aller pour l'exercice. Maintenant vous avez remarqué que entre chaque deux plots il y a un trou. Ça va être un temps d'arrêt et dans ce temps d'arrêt moi je vais devoir lui mettre la passe ou pas. Donc ça va être à lui de lever la tête pour voir si je lui fais la passe ou si je la fais pas. Donc vas-y, on va faire un exemple. Temps d'arrêt, je ne fais pas la passe, temps d'arrêt, là je la fais. Je la fais. Donc voilà, l'exercice il est super simple. On va essayer et tu me dis ce que tu penses des crampons. Si elles répondent bien, c'est parti. Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with. I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go. Cause I'm trying to get more and I've been in the moment, I've been in the zone and I'm moving. Donc au niveau des crampons, celle que j'ai au niveau des passes, on a une précision. Franchement super cool, on a un bon toucher de balle comme on peut l'attendre des Adidas.
Donc moi je mettrais une note de 8 sur 10 au niveau du toucher de balle. Changement d'appui, c'est comme tout à l'heure, c'est un peu lourd, mais honnêtement au niveau du toucher de balle c'est parfait. Moi pour l'instant, changement d'appui c'est vraiment léger, le toucher de balle il est parfait. Vu qu'il fait très chaud, la balle elle accroche bah, au pied, parce que quand il pleut, c'est mouillé, remarqué, quand la balle elle est mouillée, tu essaies de faire ça, toi ça glisse là, tout marche très bien. Franchement, je mettrais 7,5-8 pour la vitesse et changement d'appui. Deuxième évaluation, on va tester tout simplement la technique avec un ballon au vol, avec un petit 2 touches challenge. C'est parti. De balle, franchement c'est pas mal, la balle elle a plus tendance à coller au pied que de rebondir, donc je pense que pour les contrôles c'est vraiment adapté pour ça. Vous l'attendez tous, défi précision, est-ce qu'avec ces crampons on va être plus précis, etc. On va faire ça sur une barre, la barre c'est super dur à toucher, donc on aura 2 chances chacun, celui qui en met le plus de barre sera le plus précis de nous deux. C'est parti. À mon tour, Yacine m'a dit que celle-là elle était super légère, celle-là plus dure. Ouais, il y a des abonnés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer tout doucement avec celle-là et celle-là un peu plus fort. On va voir si les crampons, elles sont cool pour la précision. C'est parti. Pour l'instant, ça part bien. Celle-là elle est plus dure. Celle-là. Bon, en tout cas, franchement, je vous dis la vérité, la balle, elle va exactement là où vous voulez. Quand vous fouettez bien la balle, que ce soit avec ces crampons là ou d'autres, franchement ça part super bien. Vous avez vu, ça a touché la barre assez facilement. Et pour la précision, franchement je kiffe. Donc là on va faire la dernière épreuve, ça va être les dribbles et la vivacité tout simplement. C'est parti. Parti tout simplement pour la quatrième phase, ça va être des dribbles. On a un petit plot ici. Je vais devoir aller éliminer le plot et frapper sur Younes. On va essayer de viser un côté. Je vais essayer de prendre un risque, c'est quoi? Vaut mieux tirer à côté que tirer au milieu. On va essayer de prendre des risques. Et puis c'est parti, donc on commence avec le premier dribble. Let's go. Tirer sur le côté droit. Cette fois-ci, on va essayer de faire un truc propre. Et cette fois-ci, je vais ni tirer à droite ni tirer à gauche. Je vais tirer en force, mais le plus fort que je peux. Et on va voir si ces crampons aident vraiment pour la force de frappe. Ok ? Donc, il s'en est super bien sorti. Je vais pas gauler, hein. Je suis pas gaulé, j'aime pas gauler. Donc là, on va enchaîner les trois passages. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai super mal le pied, donc je peux pas tirer vraiment fort. J'ai mal ici à l'os. Donc je vais essayer de faire doucement. On va quand même essayer. Oh, le petit chenapon, il a arrêté le lob. Mais vas-y, on va quand même en duel. Une deuxième fois, c'est le poteau qui le sauve. La troisième, c'est sur ses buts. Bon, Nassim, tu vas apparaître à ce moment de la vidéo. Il me reste un dernier dribble à faire là. Tu veux que je fasse quoi? Je fais un plot. Quoi? Boateng Messi. Boateng Messi, Ligue des Champions. Donc, la Familia, franchement, les crampons, elles sont vraiment cool. Le seul défaut qu'elles ont, c'est qu'elles sont un peu lourdes. Mais après, c'est les Adidas. Mais sinon, toucher de balle, vitesse, contrôle du ballon quand vous accélérez, elles sont parfaites. Je vous mets tous les liens en description. Là, t'en penses quoi? Honnêtement, elles sont stylées, elles sont bien, mais ça me correspond pas trop parce que moi, je suis plus un joueur qui joue sur un côté et qui court, tu vois. Ouais. Mais par contre, ceux qui jouent milieu de terrain, numéro 6, techniques sont parfaites. Techniques, c'est elles sont vraiment parfaites. Donc, on va vous laisser là. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. À tout à l'heure. À demain pour une prochaine vidéo ou dans quelques jours. Ciao.